Oui, euh, merci beaucoup. Euh, je me présente, Julien Laflamme, coordonnateur au service de recherche et de conditions féminines euh, à la CSN. Euh, ma présentation va porter sur les liens entre la rareté et les pénuries de main-d'œuvre et les inégalités de revenus. Je vais principalement parler euh, des revenus de marché. Il y aurait bien des choses à dire sur les politiques euh, de redistribution de l'État, mais je vais me concentrer sur les inégalités euh, sur les marchés. Euh, donc, je vais faire un rapide euh, tour de l'évolution des inégalités dans les dernières années, de l'évolution de l'emploi et des salaires, un tour de piste des récentes politiques euh, gouvernementales euh, qui touchaient le marché du travail, et puis quelques considérations euh, relatives aux relations de travail. Donc, première des choses, on peut, on peut dire deux choses de, de ces graphiques-là. C'est que le Québec, dans le passé, a vécu grosso modo deux périodes, c'est-à-dire une phase dans les années 70, 80, 90 de forte croissance des inégalités. Euh, et ensuite de ça, une phase de stabilisation des inégalités de revenus de marché à des niveaux assez importants. Par exemple, si on prend le tableau de droit, on voit que, encore aujourd'hui, quand on prend en considération les revenus de marché et les gains en capitaux, le 1 les plus riches au Québec, un revenu. Euh, ce groupe-là a un revenu supérieur au revenu total des 50 les plus pauvres au Québec. Donc, oui, le Québec, on redistribue peut-être un peu plus les revenus par les transferts et les impôts que d'autres juridictions en Amérique du Nord, mais on reste un, une juridiction euh, avec des inégalités assez fortes. Euh, évidemment, la montée des inégalités a pu s'expliquer par plusieurs facteurs, la montée de l'emploi typique, la mondialisation à certains égards. Le, le recul du manufacturier, etc. Si on regarde maintenant le deuxième sujet que je veux aborder, la rareté sur le marché du travail, alors là on voit, euh, je ne sais pas pourquoi il y, un, il y a un défaut visuel dans le deuxième graphique, mais euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une montée importante des postes vacants actuellement au Québec. Euh, si on compare la situation actuelle à la situation en 2015 ou où on était clairement encore en, en, de manière claire en situation de sous-emploi. Les postes vacants sont à peu près cinq fois plus élevés actuellement qu'il y a quelques années. Puis on voit le deuxième graphique, c'est sur la très longue période, c'est-à-dire une baisse tendancielle du taux de chômage au Québec, en dépit du fait que, par exemple, dans certaines périodes où on a vécu avant la, après la crise de 2009, une, une longue période d'austérité qui a maintenu... Temporairement, le taux de chômage à, à des niveaux, ou en tout cas, qui a, qui a empêché le taux de chômage de baisser. Mais on voit que sur la longue période, le, les changements démographiques ont porté à la baisse le, le taux de chômage. La situation actuelle euh, est caractérisée par un resserrement du marché du travail dans tous les domaines d'emploi, mais on ne parle pas nécessairement de manque de main d'œuvre dans tous les types d'emplois. En fait, euh, ce qu'on voit, c'est que les raisons, par exemple, des, des causes de difficulté de recrutement des entreprises, ben, ils varient beaucoup d'un niveau de compétence à l'autre. Dans les, dans les emplois de compétences euh, très élevées, ce qu'on voit, c'est que le facteur principal, c'est vraiment le manque de main d'œuvre. Alors que dans les emplois moins qualifiés, euh, la plupart des difficultés de recrutement s'expliquent davantage euh, par des mauvaises conditions de travail, des mauvaises conditions euh, salariales. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de, de ce qui va se passer? Il, ce que je présente là, c'est les taux d'emploi au Québec. C'est peut-être la portion la plus pessimiste de ma présentation, parce que ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est c'est que la création d'emplois peut être un vecteur important ou un levier important de répartition de la richesse. Évidemment, plus les, les nouveaux emplois sont de bonne qualité, meilleur va être l'impact sur la répartition de la richesse. Mais ce qu'on voit, c'est que puis, puis la croissance des taux d'emploi a été largement explicable là, chez les 15 à 64 ans par l'inclusion des femmes sur le marché du travail. Puis si on n'avait pas eu cette tendance-là de croissance des taux d'emploi, ben on aurait vécu une, une situation probablement encore bien pire euh, du point de vue des inégalités de revenus. Et là, ce qu'on peut se demander, c'est dans les 10, 15 ou 20 prochaines années, c'est quoi l'espace qu'on va avoir pour encore accroître davantage les taux d'emploi? Il y a encore un, 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 un écart dans le taux d'emploi entre les hommes et les femmes, donc il y a encore des groupes à l'intérieur desquels il y a des possibilités de, de hausse du taux d'emploi qui sont euh, possibles dans les prochaines années, mais la réalité, c'est que la création d'emplois risque d'être un levier beaucoup moins important de répartition de la richesse dans les prochaines années qu'elle ne l'a été dans les dernières années. Ce que vous voyez présentement, c'est l'évolution le, le, du salaire hebdomadaire moyen au cours des dernières années. Donc, on voit que ça aussi, c'est un facteur qui influence énormément le, la répartition des revenus. On a vécu, grosso modo, deux périodes et qui est à peu près identique comme les, ce que je vous montrais euh, sur les graphiques des inégalités, c'est-à-dire une période où on a eu une croissance forte des salaires. Et ensuite de ça, une période où on a vu le salaire moyen baisser puis euh, stagner. On voit peut-être point un, un retour à la croissance des salaires moyens, mais il est encore trop tôt pour confirmer quoi que ce soit. Et pourquoi la croissance des salaires moyens est importante? Bien, c'est surtout qu'il faut la comparer avec la croissance de la productivité, c'est-à-dire… Combien est-ce que dans l'ensemble de l'économie, on est capable de créer de richesses par heure travaillée? Évidemment, en comparant les salaires et la richesse globale, bien, on peut voir l'importance de la répartition entre les salaires et les profits des entreprises. Donc, on voit bien dans ce graphique-là que la croissance des salaires moyens était tout à fait inadéquate dans les dernières années pour mieux répartir la, la richesse entre les salaires et les profits. Alors, ça va être un enjeu majeur au cours des prochaines années. La question des, des, de la croissance des revenus dans le discours du gouvernement est un élément important. Hein. Il y a, le, le gouvernement Legault a mentionné qu'il voulait aussi le salaire moyen en misant sur la création d'emplois hautement rémunérés, donc des emplois de plus de 56 000 c'est ce qu'il ce qu a mentionné. On voit que cette vision-là... Euh, se traduit dans certaines politiques publiques, par exemple dans les aides aux entreprises. Il y a eu une réforme du programme Essor pour davantage cibler les entreprises avec des hauts revenus. Euh, il y a aussi des nouvelles euh, mesures qui ont été annoncées, entre autres dans le, ce qu'on a appelé récemment l'opération main d'œuvre, où euh, le gouvernement mise sur les emplois hautement qualifiés, donc la bonification de l'allocation d'aide à l'emploi, donc qui est un supplément de revenus pour les chômeurs, pour les aider à, à poursuivre un parcours de formation, l'appui au parcours de formation de plus longue durée, des bourses d'études pour des programmes euh, notamment dans le génie, notamment dans les technologies. Donc, on voit que 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 ça se traduit dans des politiques. Évidemment, il y a des bons côtés à certains de ces aspects-là, et euh, loin de moi l'idée non plus de totalement glorifier euh, les politiques d'opération main-d'œuvre. Il y a quand même des angles morts, euh, mais on voit que cet objectif-là se traduit dans les politiques du gouvernement. Le problème, puis euh, je vais choisir deux exemples le salaire minimum et euh, les politiques migratoires. Le problème, c'est que il y a bien des politiques qui euh, sont tout à fait incohérentes par rapport à cette, euh, ce soi-disant objectif. La politique du salaire minimum en est un. Le gouvernement refuse pour l'instant d'augmenter le salaire minimum à un seuil qui serait plus élevé que euh, son indicateur actuel, c'est-à-dire le gouvernement fixe le salaire minimum à 50 du salaire moyen euh, et il refuse d'aller au-delà de ça. Alors qu'on voit que, euh, première des choses qu'on peut dire, c'est que lorsque le salaire minimum est augmenté de manière importante, ça a des effets bénéfiques extrêmement importants sur la répartition de la richesse. Donc, par exemple, le tableau de droite qu'on voit, c'est la croissance cumulée des salaires en Ontario. On voit que lorsque le salaire minimum a été porté à 14 de l'heure en Ontario, ça a eu un effet bénéfique important sur les plus faibles salaires, donc la, la ligne bleue. On voit malheureusement qu'en Ontario, il y, y a un problème où les, 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 les salariés, disons, du milieu de la distribution sont à la traîne. Donc ça, c'est un autre problème. Mais on voit qu'au Québec, on n'a pas, pas eu cette même croissance des revenus chez les bas salariés. Évidemment, le défaut de ce graphique-là, c'est de présenter les choses comme si tout était beau au début du graphique, c'est-à-dire l'année 97 alors que c'est une situation qui était très inégalitaire sur le marché du travail et que la politique du salaire minimum, donc, n'a pas permis de, de compenser pour les, la croissance des inégalités salariales qui s'étaient creusées dans les années précédentes. Euh, donc, ça, c'est un problème. Puis, dans le contexte de la rareté de main-d'oeuvre, ben, le salaire minimum peut atteindre un deuxième objectif. Donc, c'est non seulement une politique sociale pour mieux répartir les richesses, mais ça a également un sens euh, parce que les, les, les secteurs où le, on retrouve des gens au salaire minimum, c'est euh, largement concentré dans la restauration et l'hébergement et dans le secteur du commerce de détail. Donc, c'est le deux tiers des emplois au salaire minimum qui sont dans ces secteurs-là. Et c'est des secteurs où il y a une quantité importante de, de postes vacants. Donc, euh, ces deux secteurs-là cumulent 17% des emplois, mais 10, cumulent 23% des postes vacants. Et, et malgré ça, on ne peut pas nécessairement dire qu'il y a des pénuries en tant que telles, mais c'est vraiment les mauvaises conditions de travail dans ces secteurs-là qui créent des problèmes d'attraction et de rétention. Et puis, la, 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 la situation de la pandémie et du confinement. Euh, des problèmes encore plus importants dans ces deux secteurs-là. Donc, ça serait une politique qui serait utile non seulement sur le plan social, mais sur le plan économique. L'autre domaine de politique publique où le gouvernement est complètement contradictoire, c'est celui des politiques migratoires. On est en train d'assister à un glissement important dans le statut migratoire des personnes qui, qui viennent au Québec. Donc, le, le graphique de droite, c'est on voit la croissance du nombre de, de détenteurs de permis de travail temporaire, donc les travailleurs étrangers temporaires. On voit qu'il y a bien un recul en 2020, mais c'est à cause des, des contraintes sanitaires qui euh, qui, a, qui a fait des contraintes sur euh, la mobilité entre les pays. Mais malgré tout, le nombre de, de permis décernés en 2021 est à un niveau record pour le programme des travailleurs étrangers de temporaires. Euh, malgré qu'il y a eu encore en 2021 des, des, des contraintes. Et puis on assiste vraiment à une multiplication de l'usage des travailleurs étrangers temporaires dans des domaines, dans des milieux de travail où il y a un an ou deux, on ne s'imaginerait pas qu'il y aurait eu euh, des travailleurs migrants temporaires. Et en même temps, on assiste à un recul important du nombre de résidences permanentes qui sont allouées. Euh, au Québec. En 2019, euh, c'était une promesse de la CAC de réduire à 40 000 euh, euh, admissions euh, cette année-là. Et par la suite, il y a eu la COVID qui a compliqué la, les choses. Il y a eu des retards dans les admissions, mais on voit qu'on reste à des niveaux extrêmement bas. Donc, on, la conclusion de ça, c'est qu'il y a une, une vulnérabilité grandissante du statut migratoire euh, des personnes qui viennent au Québec. Et ça, du point de vue des inégalités de revenus, bien, ça a deux éléments à considérer. C'est des gens qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits dans leur pleine mesure au même titre que les autres travailleuses et travailleurs au Québec. C'est des, c des euh, travailleurs qui sont extrêmement de leur emploi, dépendants de leur employeur, en particulier ceux et celles qui euh, ont des permis de travail fermés. Donc, euh, si ce glissement se poursuit, on pourrait évidemment, euh, la crainte, c'est qu'il y ait, euh, que ça affecte l'ensemble le, le, des milieux de travail euh, du point de vue de leur vulnérabilité. Julien, encore peut-être une ou deux minutes? Oui, je vais y aller rapidement. Merci. Sur la question de que signifie la rareté de main-d'oeuvre du point de vue des, des relations de travail. Aux États-Unis, on a parlé de la grande démission, donc un phénomène où euh, euh, il y a beaucoup de démissions individuelles. On n'arrive pas à le mesurer comme il faut au Québec, mais sans que ça ait peut-être la même ampleur, on, on a à penser qu'il pourrait y avoir un phénomène du genre euh, actuellement au Québec, peut-être de moindre ampleur. On remarque y a beaucoup plus d'appétit en matière de négociations collective. Donc, on a vu. Euh, plus de conflits de travail, en particulier l'automne dernier. Euh, les salaires demeurent une source importante de conflits de travail au cours des dernières années. On peut penser que ça va euh, le rester. Le bien-être au travail et la conciliation famille-travail sont de plus en plus priorisés. Mais on peut se poser la question que, comment ça va transparaître dans les conflits de travail? Pour le moment, on, on le voit un peu moins. Euh, il y a des possibilités de réduire les écarts salariaux au sein des unités et des possibilités d'aller chercher des gains salariaux importants en raison d'un rapport de force euh, euh, agrandi dans certains milieux de travail, mais en même temps, on voit une volonté patronale d'avoir des politiques salariales qui privilégient certains types d'emplois au détriment d'autres. On l'a vu dans le secteur public, mais on l'a aussi vu dans le secteur privé. Donc, en conclusion, la création d'emplois a été un des facteurs principaux qui a permis de contrôler, entre guillemets, le niveau des inégalités de revenus dans les dernières décennies. Or, c'est un levier qui euh, va être de moins en moins accessible, ou en tout cas, l'effet global de ce levier-là va être moins important au cours des prochaines années. Euh, donc, la qualité des emplois va devenir encore plus importante que ce qu'elle a été. Dans les dernières années. À ce titre-là, les politiques du gouvernement sont pour le moins incohérentes et c'est un peu là un, un euphémisme. Et euh, sur le plan des relations de travail, bon, la rareté main-d'œuvre, c'est une opportunité euh, à saisir du point de vue syndical malgré la présence de nouveaux défis. Alors voilà, merci.